Yo, vendredi, moi, Fezo et Ed Gangsta prend le mot. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, vous en faites pas, mes petits démons. L'état où je suis. Oui, je suis à poil. Je suis à poil. Bon. Je suis en train de muer. Ouais. Un démon qui mue. Actuellement, c'est un peu une nouvelle puberté que j'ai. Et c'est pas agréable. C'est même un peu dégueu. On dirait un mélange entre la mouche de Cronenberg et un peu The Thing. Et le film du jour. Et oui. Car aujourd'hui, mes petits démons. Aujourd'hui, mes petits démons. On se retrouve pour un film. Assez bizarre. Ouais. Avec un alien. Eh bien, bienvenue pour ce 4e épisode du cinématographe des cryptides consacré à X-Tro. Générique. Est un film de science-fiction horrifique britannique réalisé par Harry Browley Davenport et sorti en 1982. Donc Harry Browley Davenport n'est surtout connu que pour avoir réalisé la trilogie X-Tro. Bon, je vous conseille, mes petits démons, de regarder que le film du jour parce que les suites, elles vaut pas la peine. Non. Bon, je vais pas spoiler, mais c'est pas ouf, quoi. Ça change de l'ambiance du premier film. Quel est le synopsis du film? Eh bien, Sam Philippe passe un après-midi avec son fils Tommy quand tout à coup le ciel devient noir et une étrange lumière apparaît dans le ciel. C'est un vaisseau spatial qui vient d'enlever Sam, mais pas Tommy. 3 ans plus tard, Tommy est traumatisé de la disparition de son père. La mère de celui-ci, quant à elle, a refait sa vie avec une autre personne. Mais c'est alors que Sam est de retour, sous l'apparence d'une ignoble et hideuse créature extraterrestre, qui, pour reprendre son apparence humaine, va abuser sexuellement une jeune femme qui engendra un double de l'apparence de Sam avant son enlèvement. Bon, le plus dégueu de cette scène, c'est que, eh ben, la jeune femme qui a été donc abusée, ben, elle a eu le ventre d'un bébé. Et Sam, il est sorti, pas comme le xénomorphe dans Alien, mais il est sorti comme un bébé qui sort de la. Ben oui. Bon, pauvre femme est morte sur le coup, vu que Sam est sorti du ventre, mais sous son apparence d'adulte. La pauvre, elle a pas survécu à ça, hein. Ça doit pas être agréable. Non. Non. Comme moi, actuellement, c'est pas agréable ce que j'endure. À présent sur Terre et sous forme humaine, mais doté de pouvoirs surnaturels, Sam cherche à repartir de la Terre avec son fils Tony, auquel il transmet des pouvoirs surnaturels, et ce dernier va alors exercer un épouvantable carnage dans l'immeuble où il habite. Et voilà, c'est le pitch du film. Mais sinon, ce qui est sympa, c'est l'alien en général. Car au début du film, quand on voit Sam sous sa forme d'extraterrestre, déjà il se déplace un peu à la Pazuzu dans l'Exorciste, où il se déplace comme une araignée. Et, truc intéressant, est-ce que vous connaissez cette image, mon petit démon? Oui, celle-ci. Eh bien, cette image a souvent été utilisée comme mème
pour des images terrifiantes de créatures qui se seraient faites capturer en photo, eh bien, l'image en question vient du film. Car la créature qu'on voit au bord d'une route marchant comme une araignée, eh bien, c'est le petit Sammy. Et oui, c'est notre petit Sammy qui se prend pour pas Zouzou. Et ouais, et moi je suis en train de me faire passer là pour un peu la mouche dans Cronenberg. Je suis en train de... ouais, de muter. C'est pas agréable. Enfin bref. Et à la fin du film, eh bien on peut voir notre cher Sam, en compagnie de son fils, totalement transformé en alien. Et franchement, quand j'ai vu cet alien, ben ça m'a vite fait penser au niveau du design un peu au xénomorphe, dans le sens où on voit les os plein de l'alien et en même temps ce côté tout noir et tout gluant, ben, ça m'a beaucoup donc ben, fait penser au xénomorphe, et ça j'ai bien aimé. Et le design de l'alien en général est assez sympa. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire aussi sur ce film? Eh bien, donc le film a été produit par Robert Chaillet, enfin bref. Mais ce producteur, je pense que vous l'avez dû peut-être en entendre parler quelque part ou quoi, je sais pas, peut-être. Il a fait des films un peu, voilà quoi, il a produit des films assez connus. Tels que la saga Freddy, les griffes de la nuit, ou même Le Seigneur des Anneaux. Et oui. Je pense que peut-être que vous l'avez entendu parler de ces films aussi, hein. Je sais pas, peut-être, hein. Et sinon, les scènes d'horreur, si je puis dire, bon, il y a du sang. Le sang, il est pas trop... il est un peu rouge, hein. On dirait du ketchup. Mais, au niveau accueil et critique, le film a quand même obtenu le grand prix du Festival du film fantastique de Paris en 1983. Donc c'est pas rien, ça. C'est pas mal. C'est pour ça que je vous le conseille. Pour, comme d'habitude, comme je fais dans cette chaîne YouTube, d'aller voir ces films dont les monstres bah, sont plutôt bien faits. Voilà, ça vaut le détour. Rien que pour les voir. Et sinon, voilà, mes petits mémons, peut-être que bientôt je parlerai de les suites du film, même si elles n'ont aucun rapport avec l'original. On verra. Sinon, c'est tout pour moi, mes petits mémons. Regardez sous votre lit, dans votre placard et dans la console de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez! Ah, ça y est, je suis papa. Ça, c'est dégueu. Enfin bref, allez, moi je vais finir de muer et de me... et de grandir, on va dire. Allez, ciao. Ah.